Bonjour à toutes et à tous, je tenais encore une fois de plus à m'excuser pour la vidéo qui ne s'est de nouveau pas mise en ligne. Je tiens aussi à préciser que je suis en plein déménagement. Donc, dès que ce sera fini, j'espère que dans la prochaine maison, le réseau sera meilleur. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour le vendredi 14. Les énergies du vendredi 14. On a déjà eu une carte. On nous parle d'opportunité pour le vendredi 14. Alors, ça fait un petit peu beaucoup. Mais on les prend quand même. Alors, une opportunité qui s'offre à vous, peut-être concernant des administrations. Ici, on sait qu'on va vous donner des solutions concernant le passage. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir pour vous. Ça peut être au niveau administratif, de démarches qui sont déjà actuellement en place, que vous aimeriez stabiliser dans la matière. En tout cas, ça va dans ce sens-là, hein. Au niveau de la coupe, on nous parle du conflit. Conflit et l'extérieur. On va basculer un petit peu la caméra, les amis. Hop là. Alors, on vous parle de travailler. Ici, il y a un binôme de deux dames, hein. C'est ce que je vois. On parle de souffrance qui dure depuis un petit moment. On nous parle de discussion en tête-à-tête où c'est qu'on trouve un accord et on coupe radicalement ici dans ce que je vois. On coupe radicalement, comment je peux vous dire ça, avec les personnes hypocrites, méprisantes et médisantes aussi. On vous dit que l'opportunité, elle arrive pour vous, mais ça vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage, hein. Il y a aussi des épuisements dans ce que je vois. Mais on va essayer de prendre le temps d'analyser pour retrouver cette stabilité. Donc, c'est vraiment tout ça qui se met en place. Au niveau de l'homme, après, je vois qu'il y a peut-être des prises de contact concernant le foyer. On peut aussi nous parler. Il y aura on va essayer d'échanger avec vous. Cette personne va essayer de communiquer avec vous, mais ça ne portera pas ses fruits, hein. C'est ce que je vois au niveau du Lenormand. Voilà ce que je vois avec celui-là. Allez, pour ceux à qui ça n'a pas parlé, on va regarder tout de suite avec Aliaski pour le vendredi 14. S'il vous plaît, vendredi 14. On prend une petite coupe. Eh bien, vendredi 14, c'est lumineux. Ça va vous apporter. Alors, je vais les poser là, sinon on ne les voit pas. Ça va vous apporter. Waouh, oui, on vous dit oui à la nouvelle direction. J'ai l'impression que, en tout cas, demain, vous allez être écouté. Pour certaines personnes, vous attendez des choses. On vous dit que la réponse est oui pour une nouvelle direction. C'est lumineux. On éclaircit certaines choses. Alors, je vais faire une petite coupe. Je vais les pousser ici pour que vous puissiez voir aussi la coupe. Alors, la coupe, on nous parle d'élévation et de solution. Les choses se transforment bel et bien. Ensuite, on nous parle d'une réconciliation en votre faveur, parce qu'on trouve des solutions ici. Il y a une main tendue, on va vous aider. Ici, on vous demande aussi d'observer les signatures. On va vous ouvrir les yeux, on va vous apporter des éléments nouveaux. Je vais juste recouvrir cette carte-ci avec le Normand. Alors, concernant la carte 42, s'il vous plaît. Concernant la carte 42, j'en ai eu plusieurs. Donc, concernant ici les médisances et tout ça, on vous dit bel et bien que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer. Ça va aller en votre faveur. On parle d'une force ici, hein. On va trouver une stabilité en lien peut-être aussi avec un homme ici. Je fais une petite coupe. On nous parle de discussion en lien avec des administrations aussi de nouveau, des connaissances. Ça peut un petit peu vous stresser parce que ça prend du temps. Et on nous parle de courriers assez rapides qui stabilisent un petit peu la chose. Donc, je continue avec ce que je disais là. On nous parle aussi de trouver un accord, un nouvel accord. Ça peut être aussi en lien avec les enfants. On trouve un accord ici, c'est ce que je vois. Il y a une transformation, quand je disais radicale, oui, c'est vraiment sur du long terme ici. Et il y a une coupure, peut-être dans les 3 mois. Regardez, on a le 12 et on a le 21. 12h21. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça, ou 21h12, comme vous voulez. On nous parle d'une coupure vraiment bénéfique ici dans les 3 mois. Il
On nous parle peut-être d'une rencontre aussi. De parler à cœur ouvert, hein, de dire les choses. Hein. On voit que dans les 3 mois, vous allez être un petit peu plus indépendant. Vous aurez peut-être, il y aura peut-être des nouveaux projets aussi qui vont se mettre en place. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de demain. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux et celles qui aimeraient profiter de l'offre que j'ai mis en place. Vous pouvez découvrir de quoi il s'agit dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.